C'est demain lundi 29 avril 2024 que les candidats sénateurs et gouverneurs vont se faire élire et cela sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Chaque candidat a eu le temps de vendre son image et sa vision pendant la campagne électorale qui a pris fin hier samedi 27 avril 2024 à minuit. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal dès 19h. Le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est désormais connu. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosoko Diaponga, a choisi la date du 8 mai 2024 pour organiser cette élection. Suivez les détails dans ce reportage. L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003-CAB-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs, d'un jour férié légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossiers des candidatures. Samedi 4 mai 2024, affichage des listes de candidats retenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 alinéa A de la présente décision est déclarée irrécevable. J'en profite pour informer aux députés nationaux que cette décision est affichée dans les différentes VAF de l'Assemblée nationale ce samedi 27 avril 2024. Ainsi, je les invite à retirer une copie de la dite décision auprès de nos services. Merci. Sami Adubango, notable de l'Ituri, sensibilise les Ituriens sur la paix après l'acte d'engagement des cessations des hostilités de ses frères devant les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale. Jean-Pierre Gombo, suivez les détails. En sa qualité de notable ituricien, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a interpellé la conscience collective de fils et filles de l'Iturie à la réconciliation sincère et véritable pour une paix durable dans cette province. Message lancé à marge de la clôture du dialogue inter-iturien qui a clôturé ses travaux ce vendredi 26 avril courant à Bounia. Chef-lieu de l'Iturie, aux groupes armés signataires de cet acte de cessation des hostilités, l'honorable Sami Adubango Aoutou les a invités au respect de leur engagement. Et nous devons profiter de cette opportunité pour nous engager sincèrement vers le processus de la paix. Tout ce que les chefs de l'État ont pu faire pour l'Iturie, c'était un message indirect pour vous. Pourquoi seulement ces enfants-là, dans des postes de commandement stratégique de l'armée congolaise? Vous nous donnez la honte. Vous avez sapé nos valeurs. Voilà l'opportunité, voilà le bon moment. Ne remettons pas en cause le passage du peuple. Il ne faut pas lui donner honte par rapport à des comportements en dehors de ce que vous venez de signer présentement.
Il faut dire que ce dialogue avait pour objectif de renforcer l'autorité de l'État à travers des mécanismes locaux pour une cohésion sociale, la sécurité dans cette province. Partant de cet accord inter-itourien, l'espoir d'un nouvel air est donc permis pour faire de l'Itourie un véritable oasis de paix au regard de ses potentialités socio-économiques et humaines. La régie des eaux veut améliorer sa desserte en eau potable dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Elle a réceptionné 15 conteneurs avec des produits qui rentrent dans la production de l'eau potable. Dans le but de résorber la question liée à la desserte en eau potable dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, la régie des eaux vient de réceptionner ce 27 avril 2024 un lot important de matériel qui rentre dans la production, le transport et la distribution d'une eau potable digne de cette appellation. Il s'agit de 15 containers de chlore pour le traitement de l'eau et d'autres tuyaux de transport pour remettre la régie des eaux à la hauteur de ses missions régaliennes, celle d'assurer la distribution d'une eau potable à la population. Il faut noter que ces intrants et matériels ont été acquis sur fonds propres de la hiérarchie de cette société. Nous tenons à féliciter notre directeur général, David Chilumba Mutombo, et son adjoint, Jean Bosco Mwaka. Nous sommes en train d'assister au dépotage des 15 conteneurs de chlore, 15 conteneurs d'hypochlorite de calcium. C'est un produit très essentiel pour le traitement de l'eau. L'occasion faisant le larron, le directeur régional Luma Miluenga a appelé tous les abonnés de la régie des eaux à toujours régler leurs factures afin d'assurer une distribution sans coupure de l'eau potable. Notons que ce projet de la régie des eaux intervient dans un contexte où le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les entreprises publiques à plus de compétitivité pour résoudre les questions liées à sa vision, le peuple d'abord. La maternité de l'hôpital général des références d'Ndjili a revêtu sa plus belle robe après sa réhabilitation. Le but est d'administrer des soins de qualité dans un cadre sain. Serge Merlemata pour les détails. De nombreuses femmes habitant dans la commune d'Ndjili et ses environs peuvent désormais accoucher sans crainte et dans de meilleures conditions au sein de la maternité de l'hôpital général des références d'Ndjili, ISTEM Kinshasa. Ces derniers étaient restés pendant longtemps dans un état de délabrement. Appel à l'aide, bel et bien entendu, dès maintenant, grâce à l'action sociale de l'un des notables de cette municipalité, en la personne de Dr. Henri Vitekieto. Les bâtiments abritant la maternité de cette structure médicale a été complètement réfectionné. Une réponse immédiate aux difficultés rencontrées par des centaines de femmes enceintes lors de leur accouchement. Ces généreux bienfaiteurs a effectué une visite des salles d'accouchement de cet établissement de santé, question de s'imprégner des réalités de terrain. Il était accompagné par les médecins directeurs de l'hôpital général de référence d'Ndjili, ISTEM Kinshasa. Celui-ci, satisfait des résultats, a salué ses gestes de solidarité. Et pour cela, nous les remercions grandement. Et nous savons que ce n'est pas pour la dernière fois. À l'issue de sa visite sur le lieu, Dr. Henri Vitekieto a expliqué l'essence de son acte de bienfaisance qu'il a posé en ces lieux. Donc on a refait les travaux, et non seulement à la maternité et au service d'anesthésie, nous sommes venus effectivement pour voir la réalisation de ces travaux. Par ailleurs, les services de réanimation de cette structure médicale a lui aussi été réhabilité. Poursuite campagne électorale. Campagne agricole dans les secteurs de l'Ulu, dans la province du Lualaba. La chef des secteurs Betty Kando veut atteindre 1500 hectares de maïs et autres produits afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le secteur de l'Ulu, en territoire de Mouchacha, dans la province du Lualaba, vient d'acquérir 4 tracteurs neufs. Ces engins vont être utilisés dans la campagne agricole que la chef de secteur Betty Kiando Katoke a lancée depuis quelques mois déjà. Et c'est là, et dans les cadres de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans son entité, la patronne du secteur de l'Ulu est déterminée à atteindre 1500 hectares sur le site village Lengue. Ces tracteurs acquis sur fonds propres du secteur
sont un moyen à coup sûr d'atteindre cet objectif que s'est assigné la chef de secteur Betty Kiando-Katoke. Selon l'agronome chargé de ces projets, le tracteur et autres intrants permettront à ces projets d'être réalisés conformément aux vœux de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini, qui tient à lutter contre la pénurie de la farine de maïs, produit alimentaire le plus consommé dans la province du Lualaba. La volonté de la patronne du secteur de l'huile ou Betty Kiando-Katoke de lutter contre l'insécurité alimentaire dans son entité est saluée à sa juste valeur par la population de l'huile. Cette année, nous avons payé les maïs à moins cher grâce au projet agricole initié par la chef de secteur. À part ces engins, Betty Kiando a déjà réceptionné un lot important d'intrants agricoles et procédé au dessouchage de plus de 6 hectares, toujours dans le site village Lengue, à 45 km de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège d'éducation, recherche scientifique, culture, arts et questions religieuses a reçu une délégation des syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui était venue lui présenter le rapport final des assises des Bibois. Conduite par Godefroy Matondo, président et porte-parole de l'intersyndicale du ministère de l'école primaire, secondaire et technique, cette délégation des enseignants est venue présenter au conseiller principal du chef de l'État au Collège d'éducation, recherche scientifique, culture, arts et questions religieuses, les rapports finaux des accords signés avec l'EPST concernant l'amélioration de la situation sociale des enseignants des écoles publiques. Il était question pour nous de venir présenter ces PV auprès du conseiller principal des chefs de l'État et lui, il devait en parler au président de la République. Les PV, c'était question que le gouvernement avait accepté de payer les enseignants non payés. Il y a le réajustement de la prime de gratuité et l'augmentation des salaires, à la prime que nous appelons prime equity pour les agents et cadres des services centraux. Il y a prime pour fonction pour les inspecteurs et les agents d'appoint, soit des retraites. Pour nous, nous disons que du fait que le chef de l'État sera informé de nos situations et que tous les enseignants, tous les camarades là où ils sont, qu'ils sachent que le chef de l'État, c'est un homme de solution. Monsieur Labete Ochulumba, conseiller principal du chef de l'État, a félicité cette démarche des enseignants. Il leur a promis de remettre ce rapport final au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et lui transmettre leur souhait de les rencontrer. Booster l'entrepreneuriat des jeunes en RDC, programme initié par le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique en collaboration avec Quantum Vertex. Ce projet vise à stimuler la croissance économique des PME en RDC. C'est un reportage de Serge Merlemata. Un véritable coup de pouce pour le développement des petites et moyennes entreprises congolaises. Cette initiative, baptisée Programme Booster l'entrepreneuriat, vise à stimuler l'esprit d'entreprise et surtout la croissance économique des PME et la création d'emplois en République démocratique du Congo. Avec pour mot d'ordre 1 million de PME et 8 millions d'emplois, le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique en collaboration avec Quantum Vertex, dans une volonté manifeste, entend permettre aux PME d'accéder au financement et également renforcer les capacités opérationnelles. Les temps forts ont marqué cet événement, notamment les mots de bienvenue de Damien Touambilangana, coordonnateur de Mongès, et de Suzanne Ntumba. Celle-ci s'est appesantie sur les parcours entrepreneurial. Des créateurs à leaders, d'autres sujets ont été également abordés. L'objectif, c'était de montrer qu'il y a une possibilité avec le secteur privé de pouvoir mobiliser des moyens financiers qui peuvent permettre et financer les projets des jeunes entrepreneurs. Les plateformes, même s'ils sont numériques, ils sont déclinés dans les langues nationales pour pouvoir rejoindre tout le monde parce que c'est un projet qui va aller dans les 145 territoires. Par ailleurs, le programme Booster l'entrepreneuriat permettra aux jeunes congolais d'envisager l'avenir avec espoir et de se convaincre qu'ils peuvent réussir dans la poursuite de leurs rêves et de leurs attentes.
Clôture de la formation axée sur l'investissement de la jeunesse organisée par le Conseil national de la jeunesse. D'autres détails avec Georges Frédéric Ndibou. Placé sous le thème « Investir davantage dans la jeunesse congolaise pour un Congo plus uni, plus fort et plus prospère », initié par le Conseil national de la jeunesse dans le souci d'identifier les besoins prioritaires de jeunes Congolais dans leur diversité, cette campagne s'est clôturée avec une note de satisfaction. Nous avons lancé la campagne nationale sur « Investir davantage dans la jeunesse ». Les soucis ici, une campagne multimédia, une campagne aussi en présentiel avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Les soucis étaient d'identifier le besoin prioritaire de la jeunesse congolaise dans toute sa diversité. C'est comme ça que nous avons dépêché les équipes sur terrain. Nous avons soumis les liens en ligne pour permettre aux Congolais de tous les bords, de tous les coins et voire même de la diaspora pour pouvoir identifier leurs besoins prioritaires. Nous avons consulté en présentiel les jeunes des partis politiques, les jeunes des mouvements citoyens. Nous avons consulté les jeunes entrepreneurs, les jeunes femmes leaders, les jeunes des associations. Nous avons pratiquement touché toutes les couches pour élaborer un cahier des charges commun qui sera déposé auprès du président de la République, mais aussi à son Excellence Madame le Premier ministre. Mais également renforcer les groupes thématiques des jeunes au sein des différents ministères sectoriels. Une campagne multimédia et en présentiel. Toutes les couches de la jeunesse ont été consultées, dont les jeunes femmes leaders, les jeunes de partis politiques, des associations et plateformes, les personnes vivant avec handicap, les mouvements citoyens, les confessions religieuses, les étudiants, pour ne citer que ceux-là. L'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, sous direction des Bénis, aura un nouveau bâtiment dans les tout prochains jours. Pour ce faire, la pose de la première pierre a eu lieu en présence de plusieurs autorités membres de l'ACAD. Suivez ce reportage de nos confrères de province. L'Association congolaise des commissionnaires agréés à douane, ACAD à sigle, sous direction de Beni, était ce samedi 27 avril 2024 dans une double cérémonie de la pose par le maire de Beni de la première pierre pour le début de la construction du bâtiment qui abritera le bureau et salle de cette association sous une forte concentration à prière et bénédiction de tous les déclarants. Après cette étape, s'en est suivi d'une procession sous le rythme de la fanfare des cadres et agents qui est parti du repos du 30 juin jusqu'à Albertine Hotel où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise des pouvoirs entre les comités sortants et entrants. C'était à présent des délégués provinciaux de la CAD au Nord Kivu et d'autres partenaires. Prenant la parole après son investiture comme président de la CAD sous direction de Beni, Eugène Kakule Kitambala a devant toutes les autorités et les membres déclarants promis d'œuvrer pour l'achèvement de la construction du bâtiment administratif de cette association, tout en promettant de travailler en mèche avec tout ce comité pour l'intérêt de ses membres. Il faudrait que dans les deux ans qui suivent, et prochainement vous puissiez venir vers moi pour inaugurer ce nouveau. Je remercie mes électeurs qu'ils me fassent confiance, qu'ils continuent à me soutenir parce que c'est un travail d'ensemble. Nous devons mettre en place des stratégies qui permettent à ce que les efforts soient conjugués. A noter que cette cérémonie de haute facture a connu la présence du délégué provincial de la CAD au Nord Kivu et celle du président de la CAD pour la ville de Butembo et de la cité de Kasindi et aux côtés d'autres invités. Vers une collaboration entre l'INACO et les musées royaux de l'Afrique centrale qui a reçu la visite des membres de cette coopération, d'autres précisions dans ce reportage. Vers une collaboration dans le tout prochain jour entre l'Institut national des archives du Congo et les musées du Royal de l'Afrique centrale. Ces musées, qui organisent chaque année des programmes de formation, sollicitent cette fois-ci la participation de l'INACO pour les prochaines éditions. Message apporté au directeur général de l'INACO, Emeka Somomande, par l'une des membres de la coopération de ces musées africains. Moment propice également pour cette ambassadrice du musée royal de l'Afrique centrale de remettre à Emeka Somomande son livre intitulé « Afrique Europe Archives Recruitment Collaboration Plan RDC Rwanda Burundi et Belgique ». Et donc, nous sommes ici dans le cadre du lancement de ce projet.
prochain programme du 4e. Cette remise du livre a été suivie par des échanges d'expériences avec le personnel de cette entreprise publique pour leur prêcher sur l'importance des formations qu'organise cette coopération du musée du Royal de l'Afrique centrale. Une messe d'action des grâces a été organisée pour le retour de la paix dans la partie est du pays où nos compatriotes continuent à souffrir des affres de la guerre d'agression. Pierre Mbouyou Saïdi pour les détails. À l'aurore du présent cycle électoral en République démocratique du Congo, la synergie des forces vives sociopolitiques, habitants et ressortissants de la municipalité urbaine de Barumbu à Kinshasa, se sont retrouvés dans la paroisse catholique Saint-Éloi au quartier Bon Marché, pour d'une part, communier comme une seule personne avec nos compatriotes de la partie est du pays, victimes au quotidien de l'insécurité et de la guerre d'agression, et d'autre part, glorifier l'éternel Dieu des armées pour l'élévation de l'un des leurs en dignité sociale dans la sphère politique kinoise. En la personne de l'honorable Bob Amisoyo Kalumbila, élu dernièrement député provincial pour la circonscription électorale de Barumbu. En étant chrétien, il était important pour nous de rendre grâce à Dieu. Vous allez voir, il y a beaucoup de mamans, c'est grâce à ces mamans, c'est grâce à leurs prières que nous retrouvons aujourd'hui élus de la commune de Barumbu. Cette célébration eucharistique, dite par le père Liévin Ibanga, a permis à ces derniers de centrer sa prédication et son homélie autour de la parabole des 10 lépreux, texte tiré du 13e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ, tel que repris par saint Luc. Belle opportunité pour ce prélat catholique de dresser un parallélisme des fonds et des formes. Recel la présence remarquée d'une frange de la notabilité de la commune de Barumbu et d'un panel d'autorités politico-administratives de cette municipalité, parmi lesquels les chefs de quartier, les chefs des rues, des localités et certains agents communaux. Cette messe, suivie d'une sobre cérémonie récréative, a vu l'honorable Bob Amisso échanger à bâton rompu avec ces derniers autour des deux axes phares de son mandat, qui se résument et se cristallisent autour de la lutte contre l'insécurité et la réhabilitation de l'infrastructure routière, gage de meilleur lendemain des habitants de la commune de Barumbu. Le défi de l'implantation du plan national stratégique de développement en RDC est au centre de la matinée scientifique du cœur de l'élite scientifique de l'UDPS. C'est un récit de notre confrère Alain Bikay. Les défis de l'implémentation du plan national stratégique de développement en République démocratique du Congo ont été scrutés par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Pour cerner cette problématique de la vie nationale, on a fait appel au directeur des cabinets, au ministère du plan, Marcel Kanda. Dans son exposé, le chef des travaux, Marcel Kanda, a retracé toutes les perspectives passées par les pays depuis 2001 jusqu'à ce jour pour arriver au plan national stratégique de développement. Ensemble avec les membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, Marcel Kanda a posé un diagnostic sans complaisance des défis auxquels la République démocratique du Congo doit faire face pour son développement. C'est notamment l'appropriation de ces plans stratégiques par les forces vives de la nation, les défis sécuritaires et des infrastructures de base. L'effort qui est fait cette fois-ci à travers le PNSD qui est en cours de finalisation, qui portera sur l'année 2024-2028, c'est d'assurer que ce qui est repris dans le programme d'investissement public, mais également dans le programme d'action prioritaire qui comprend aussi bien les réformes que les projets qui sont dans le programme d'investissement public, vont être reflétés dans la loi des finances. Pour les professeurs Jean-Marie Béat de la faculté des polytechniques de l'UNIKIN, ce sujet vient de baliser les chemins des deuxièmes conférences sur les fondamentaux d'industrialisation de la RDC. Pour pouvoir amener la RDC vers l'émergence et le développement, il faut passer nécessairement par son industrialisation qui est le vœu du chef de l'État. La science au service du peuple et des mises au corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Fin de ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur votre chaîne. Retrouvez tout à l'heure à 20h Anita Luamba pour une autre édition d'information. Merci et au revoir.